sera intégralement exécuté avec 50 millions d'euros annoncés. Et en matière de changement climatique, le travail conduit depuis 2 ans a permis d'aboutir au Fonds vert, justement un projet d'adaptation et de gestion des bassins versants pour 30 millions de dollars. Et Haïti pourrait devenir à ce titre l'un des premiers, si ce n'est le premier pays, à obtenir un projet d'adaptation dans le cadre de ce Fonds vert. Nous sommes convenus d'accélérer en la matière le travail pour, en termes de travaux publics, en termes d'électrification, accélérer la coopération bilatérale qui permettra là aussi d'arriver à la réalisation de projets concrets. En plus échange commercial, pays d'Haïti doit développer plus avec la France. Président Jovenel Moïse promet, dans le moment Haïti a présidé marché commun Caraïbes en 2018, les bras encourager l'autre pays dans la région à appliquer un plan d'adaptation économique et environnementale pour combattre la question du réchauffement climatique. Là. Haïti soutient fortement cette initiative et entend au cours de sa présidence tournante de la CARICOM de janvier à juin 2018, œuvrer pour l'adoption de mécanismes sous-régional pour permettre aux États insulaires de mieux adapter leur économie, leur environnement aux effets du changement climatique. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de travailler pour que le français, comme nous l'avons si bien dit, qui est notre langue officielle, soit en fait une langue, la langue de la CARICOM aussi. Et nous sommes en train de travailler pour que nos frères de la Martinique et de la Guadeloupe puissent participer aussi dans ce grand mouvement de la CARICOM, parce que la CARICOM, ce sont des pays de la Caraïbe, et je pense que la Martinique et Guadeloupe font partie aussi de la CARICOM. Rencontre bilatérale, ça, c'est le premier point fort, visite président de la République, Jovenel Moïse, dans le cadre premier journée de travail dans le pays de la France. À côté événement One Planet Summit, là, visite ça centré tout sur opportunité investissement pour Haïti. Merci Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. L'autre information dans le journal là, ministère communication recevoir lundi 11 décembre, ministre travaux publics, transport, communication, Fritz Kayo, dans le cadre 27e conférence le lundi de la presse. Dans l'occasion, ministre Fritz Kayo parlait sous réalisation MTPTC. Sitou, implication ministère a dirigé la caravane changement. En suivant extrait dans le micro, Rachel Saint-Fort avec Laurent Darly Jean-Jacques. Grand pile travaux que nous commençons presque dans tout pays. Si nous prenons par exemple au niveau du département de la Grandance, dans le département de la Grandance, nous constatons au niveau de Cafouzaboka, Pestel, il y a des travaux de réhabilitation que nous commençons sous tout axe. Et de même, au niveau de Cafouchal vers Corail, il y a un pile de travaux de terrassement, il y a un pile de travaux d'ouverture de la route que nous avons fait. Élargissement de la route que nous avons fait. Et au niveau des Iowa, si nous avons constaté, sous partie énergétique, là, il y a 3 axes. Un axe, comme nous avons dit, un système hors réseau, il y a un système mini-réseau et il y a un système réseau à lui-même. Le département du Sud, c'est côté que les caravanes les plus chitales font pile travail. Par exemple, et de l'aide commencé les travaux, nous commençons avec revêtement 27 juillet 2017. Nous commençons dans rue que les roues d'ouverture qui sont perpendiculaires avec sa roue de deuxième grand roue, roue Rustinho Vincent. En termes de revêtement, nous faisons environ mieux que 25 km de route revêtue. Nous faisons, dans le niveau du département du Sud, là, environ 123 km. De route en termes de reprofilage et de rechargement. Nous avons 5649 mètres linéaires de route que nous avons fait. Ça veut dire 5,6 km. Dans 5,6 km, là, nous avons 2 km. 2 km en béton hydraulique et puis nous avons 3649 mètres linéaires, ça vaut 3,6 km. Nous avons fait en béton bitumineux. L'aime du béton bitumineux, c'est ça que fait asphalte, là, en asphalte. Là. Donc, nous avons route Simon. Route Simon, hein, c'est route MBSH là, que nous avons passé là dans l'EM Soutikans et l'Igalagem est sur route nationale numéro 2 au niveau de côté nous commissariat avant de rentrer et bon, sur route nationale numéro 2 à l'Engraversé Rivière. Actuellement, moi, pour m'a fait des interventions là-dedans et m'a intervenu sur 8 km. Sur 8 km là, déjà, moi, j'ai préparé environ
1,6 km, je commence à mettre revêtement la donne parce que forme de zones ça. Toutes les zones côté où nous mettons béton hydraulique, ce sont des zones inondables. Côté de l'eau, il y a des problèmes, nous ne pouvons pas mettre bébé. Parce que automatiquement, bébé, même pas de pression constatée, l'un fait une mise en place bébé, automatiquement, là, puis tomber. Si ce sont des zones qui sont inondables, l'eau est censée emporter tout bébé. Donc, zone ça, son zone a fait en béton hydraulique. Même Jean-Noël, le Campéré, Campéré, l'un sorti dans la zone ouest, à côté de CNE, il y a une usine gravel là, avec usine asphalte. Là. Après, toute partie ça me fait en béton hydraulique parce que c'est une zone qui est extrêmement inondable. Ministre Travaux publics, Transports, Communication, Fritz Kayo, mettez accent tout sur divers travaux qui déjà réalisés dans plusieurs zones dans le département de l'Ouest. Là. Ministre, qui t'a parlé dans le cadre de la 27e conférence lundi la presse, là, promet le ministère va finaliser en pile de travail ça yo, avant l'année à finir. De façon pour permettre la machine de circuler plus bien dans la zone ça. Yo. Ministre Fritz Kayo. L'Ouest, maintenant dans l'Ouest, nous avons gardé ça où il est échangé que nous avons les viaducs de la marine haïtienne. Et son projet a commencé depuis environ 2014. À date, c'est fait environ 3 ans. Et moi-même, le monté là, son projet qui était censé au point mort, nous sommes censés réactiver le projet. Donc, nous avons gardé les viaducs ça. Et ils vont porter de environ 32,50 m par 14,50 m. Et les gens qui font route Cafou. Ou ap gade viaduc la, m commencé avec lui. Avant 20 décembre, m'ap gen tan coulé béton sous plateforme nou an lè pont, en bas pont pour nous passer. Mais c'est vraiment un vrai viaduc, si n'ap gade li avec plusieurs embranchements. Et la donne n'ap avancé. Et au contraire, nous gen de plaques de béton préfabriquées parce que qui censé sous frontière depuis environ 2 ou 3 jours que entreprise relève il dit me bloquer donc moi relais ministre finance là moi relais directeur général du ministère des finances pour me dire ce projet ça a son projet prioritaire lié pour gouvernement rapidement pour débloquer pour nous commencer mettre des plaques en béton pour nous faire rampe yo bon là ça début octobre nous levons matin et puis nous garder nous ouais yo population là me dit pas même dit population peut-être c'est des monde qui sorti très loin dans zone là yo coupé 6 dalots. Yo coupé 6 dalo, yo mette pouvoir non situation, non seulement faut le prendre dalo, faut le prendre chaussée, son exigence que yo faut. À date, nous déjà fait 5 dalo. Et moi reprendre m'gain environ 700 mètres linéaires de route, pas oublier route ça largeur son route de environ 11 mètres de large lié. Donc m'gain 700 mètres par 11 ou en termes de surface ça représenter. C'est comme si m'te gagne deux routes, là m'dit m'gain 700 mètres là, c'est comme si m'te gagne 1,4 kilomètres parce que route nationale à Gadea c'est 3,50 m de chaque côté qui vaut 7 mètres. Donc route ça à moi prendre on mon cognac prendre Cafou nous t'app suivre ça depuis octobre jusqu'à mois de décembre nous remarquer route Cafou est impraticable. Son route qui était presque tout 4 départements dans grand sud là tu gagne pile problème on mon qui saute dans le sud, on monte qui saute Cafou pour entrer pour le prince, ou là n'importe pour 3 heures de temps, 4 heures de temps. À date, moi déjà fait environ près de 520 mètres. 520 mètres qui commençaient depuis dans la zone Fédem Guillaume, dans la première avenue. Donc, on voit que je me rivelle dans l'art plastique là. L'art plastique là, c'est où tu vois, tu rentres, car tu sautes dans le bicentenaire. La permet, un, on monte aux heures de pointe qui saute Cafou, de pour prendre axe dans le bicentenaire, ou capable de virer à plastique là ou fait première avenue ou monter par ouvrir la lettre ou aller. Entre temps m'a avancé mobilisé sérieusement là donc sous partie qui bord de 4e avenue à plastique là qui cap permettre un monde qui saute Cafou ou cap passer par exemple dans zone Flambert ou pas ou passer dans Matisse 123 Fontamara ou passer Matisse 101 et puis là ou sauter 4e 5e ou tomber dans 4e et pour descendre le ça ou pas gros problème monde qui sont Cafou capable faire avec ça c'est sous ça m'a broumé là pour me permettre pour m'assurer mon yo avant la fin du mois de décembre 25 26 décembre arriver juste bon Sénégal là m'a fini quoi là nous pour parler éducation dans journal là ministère éducation nationale et formation professionnelle lancé jeudi à officiellement document pour expérience pilote nouveau curriculum préscolaire. D'après les spécialistes, c'est un programme qui a été étudié depuis l'année 2014. Le programme ça a visé les gens préscolaires qui ont besoin de plus d'encadrement et attention, surtout dans l'apprentissage. Le projet ça a joint un financement Banque américaine, Interaméricaine de développement.
Un reportage, Marie-Jolie et Hervé Pierre. Nouveau curriculum ça pour éducation préscolaire là pral permettre qu'un kindergarten yo travaille plus bien d'après responsable ministère éducation nationale yo travail ça fait dans souci pour aider l'école préscolaire yo pour yo fonctionner suivant yo même programme expérience pilote ça pral aider kindergarten yo gagne un outil légal pour yo travailler d'après directeur formation et perfectionnement Wood Fleurant. Il en faut en ce sens de la formation pour les enseignants de ce niveau d'enseignement. Et ce curriculum vient donc à point nommé. À point nommé, dis-je, puisque le ministère vient à peine de se doter de deux documents. Le document d'orientation de la politique de formation des enseignants et des personnels de l'agrément et du plan de mise en œuvre de cette politique. Deux documents qui, dès cette semaine, précisément les 13 et 14 décembre, vont être soumis à la validation par les cadres techniques du ministère et les acteurs concernés par les causes de l'éducation, à savoir les syndicats, partenaires techniques et financiers, réseaux privés de l'éducation, etc. Ministre de l'Éducation nationale, Pierre-José Agenokade, explique nouveau curriculum, ça, c'est une base légale en développement qui peut faciliter instituteur yo suivant l'autre démarche dans le processus apprentissage là. Donc nous pas continuer à faire l'école même j'en qu'on fait depuis longtemps, je dis faut que on la fait autrement. Et surtout là nous dit ti moun piti, eh bien j'aime ça dit le talent là, ti moun piti ali même c'est les bases société là, même j'en ont dit dans discours, si on font caille chamotte à plusieurs étages là-dedans depuis en bas pas bon, ca la cadeau n'importe là. Donc je dis c'est le sens à nous prendre. On nous commence par Timoun Pitiyo, par un bon genre d'éducation pour nous garder un bon genre de société demain. Élèves qui sortent dans plusieurs écoles, t'es profité par les sous responsabilités l'État gain envers yo. Nous avons un tranquille côté sécurité blague. Pour l'État, si c'est jouer. Dans l'occasion, 600 écoles ont recevé matériel travail parmi eux, kindergarten Clair de Lune, Port-au-Prince, Choukounette, République États-Unis, Guillaume Maniga. Douamoun Kounia, collectif Défenseur Plus, tête collée avec l'Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, OCNH. Réalisé lundi 11 décembre, il y a un atelier de travail dans l'idée pour évaluer ensemble recommandations pays d'Haïti et accepté par la dernière participation dans l'examen périodique universel. L'examen périodique universel, là, c'est un conseil de l'OAMUN Nations Unies mette sous pied pour évaluer la situation de l'OAMUN dans tout pays membre Nations Unies, d'après précision, pardon, directeur Défenseur Plus, là, Antonal Mortimer. L'étape dit nous plus dans le micro, Wodney Dorléan et Moïse Wilbridge. On suit. Nous avons un ensemble d'activités qui est lancé depuis le 3 décembre pour nous être capables de célébrer ou bien marquer la date 10 décembre, qui est la journée internationale droit monde et qui s'est en même temps marqué 69 l'année depuis les Nations Unies adopté et proclamé la Déclaration universelle droit monde. Dans ce sens, il y a trois éléments qui doivent attirer l'attention sur lui, des manquements bon côté l'État. En premier manquement, depuis l'année 2004, toujours gagné un expert indépendant en Haïti. Sous gouvernement, monsieur ou bien administration, monsieur Jovenel Lafontaine, pas gagné expert indépendant. Donc on a monsieur Jovenel te refusé renouveler mandat monsieur Gustavo Gallon, qui c'est colombien, qui c'est expert indépendant sous situation de mon pays d'Haïti. Bon, il y a un plusieurs prétextes pendant situation de mon a dégradé. Ouais. Deuxième élément, manquement qui vient de côté de l'État haïtien, c'est le fait que mécanisme pays, premier cycle, te fait l'État haïtien obligation, te recommandé pour le mettre en entité, d'ailleurs, vis-à-vis pour la communauté internationale, la société civile, là, en matière de droits de l'homme. Et c'est dans ce sens-là, M. Lamotte te gagné au ministre délégué chargé des droits de l'homme. Ce n'est pas pour bon goût qu'il te fait, mais c'était une recommandation des pays. Bon, même les. Et nous t'a dit, ministère, ça n'a pas vraiment ramassé toute question, yo, mais quand même, tu es bon vis-à-vis. Et avec l'autre gouvernement qui vient après, yo, y compris M. Lafontaine, pas gagné une entité comme ça.
Donc, quand on a besoin de parler de la question de droit de l'homme, il ne faut pas qu'on est dans l'État, autre que l'OPC qui est dans une situation, si vous voulez, est moribond, ou pas qu'on est qui monde, qui entité qui fait travail ça. On a fait un coup de pied dans le Parlement haïtien pour nous dire, sénateur Francenet Denius, prononcer sur le sujet mandat 10 sénateurs qui doit arriver dans le bout. D'après le sénateur, il est nécessaire pour joindre une entente sur la question ça, une façon pour harmoniser le temps électoral là à la Constitution. Président parlementaire, dans le micro, Fédéric Confident avec Moïse Wibich. Gagné de propositions et que l'Assemblée des sénateurs a fait par rapport à la question ça. Et normalement, la Constitution dit sénateur allié pour 6 ans, mais nous, si nous appliquons 6 ans sur tout sénateur, eh bien, et Bral gagne un désordre et la question ça, et la Constitution dit sur le Sénat se renouvelle partiel tous les 2 ans. Et Bral gagne deux mondes, soit qui Bral gagne mandat en plus et gagne qui a perdu le mandat. Donc, le consensus qui était dégagé dans l'Assemblée sénateur, c'est que et sénateur, deux sénateurs qui étaient élus en 2016, le premier a été élu pour 6 ans et le deuxième a été élu pour 4 ans. De telle sorte que, eh bien, en 2019, le sénateur Sayo, tiers sénat, a eu l'élection ensemble avec les députés et avec Mérium, qui prêtait serment tout en 2016. Donc, ça a fait une élection dans le VIA. Et là, il a gagné un amendement. Et constitutionnel, l'amendement constitutionnel là, nous avons entendu, eh bien, comment nous allons régulariser par la suite le mandat de l'autre sénateur, parce que Gagnon cap fini en 2022 et Gagnon cap fini en 2023. Ça veut dire que nous avons une élection en 2021, l'autre élection en 2022. Donc, en dans constitution, amendement constitutionnel là, nous sommes capables de faire en sorte que nous fassions des aménagements pour permettre que d'ici 4 à 5 ans, eh bien, tout mandat est tombé dans la même heure et puis nous connaissons est-ce que nous avons fait une élection sous chaque 5 ans ou 6 ans et, ou bien est-ce que nous avons une question eh bien, et 2 ans et tiers sénat. Moment arrivé pour nous prendre une pause dans le journal là, nous tournons tout de suite après pour le développement restitution. Il était branché. Merci pour fidélité ou bienvenue dans le deuxième tranche journal là et nous retournons dans le Parlement haïtien côté commission éthique et anticorruption dans le Sénat République là. Chita parlé lundi 11 décembre avec le ministre intérieur Max Rudolph Saint-Albin. Dossier 10 millions de dollars qui était là pour réaliser un projet lampadaire dans la commune Capoti et dans mi-temps discussion. Le président de la commission, sénateur Ronald Larèche, exprime satisfaction pour façon ministre Saint-Albin prendre le dossier à en pile considération. Parlementaire, t'es dans le micro, fait de confident avec Moïse Wilbouch. On suit. Sur question de un projet lampadaire solaire qui t'a supposé exécuter dans la zone Capoti, et ensuite tout, il y a un ensemble de projets au niveau BNPAD, environ 40 projets, et qui t'a capté des protocoles qui signent entre BNPAD et Mirio qui pas exécuté. Et nous t'es invité ministre pour nous être capable de donner des explications. Et gain des projets, gain des films qui commencent à remettre cob au niveau BMPAD et gain des films tout qui dans marron et directeur BMPAD là t'a supposé là mais malheureusement il pas là et sous question lampadaire solaire Capoti là et magistrat dit c'est pas lui même qui signe un projet et film là même qui recevoir l'argent tout dit que c'est pas lui même qui signe des comptes là. Dans ce sens, ça nous t'a invité pour nous être capable de donner des explications claires. Et le ministre lui-même, il a donné des explications et nous sentons satisfaits. Et il a des suivis qu'a fait pour que la justice lui-même lui fasse chemin dans la lutte contre la corruption. Ministre intérieur Max Rudolph Saint-Albin a annoncé gagner une délégation au ministère qui a gagné pour aller sur le terrain pour enquêter dans le dossier SILA. Avant longtemps, le ministère a gagné pour prononcer ce dossier ça. Il a extrait toujours dans le micro Fédéric Confident avec Moïse Wilbouch. Nous-mêmes, nous venons là comme ministre, à titre de ministre de tutelle de mairie. Mais honnêtement, ce n'est pas un dossier qui vraiment intéresse le ministère parce que BMPAD, son protocole, d'après moi, dossier, son protocole qui gagne entre BMPAD, qui est censé gagner entre BMPAD et mairie. Et au fait, dans la pratique, au fait, Gélé, c'est BMPAD et une compagnie okay, que
que honorable sénateur a mentionné là tout à l'heure. Donc, je vous dis, une fois que nous avons saisi d'informations, un minimum d'enquêtes que nous avons fait, que nous partageons avec la commission, et nous proposons tout que rapidement nous dirigeons enquête par nous, puisque il y a un coût supérieur des comptes et du contentieux administratif qui est déjà sous dossier, ULCC est déjà sous dossier. Donc nous-mêmes, dès demain, nous avons une équipe de ministère qui pourra aller sur les lieux pour aller faire enquête par là. Et nous prodiguer tout humblement des recommandations et à la commission. Côté désormais, nous ne pouvons pas ennuyer la mairie pour nous dire passer un protocole d'accord avec l'autre instance, etc. Mais il faut impérativement que le ministère là au courant, d'une part, et d'autre part, que certainement protocole, accord, n'importe ça qu'il y a, que vous validez comme ça doit par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ça, il n'y a pas en sortir de là. Et nous te baillons toute garantie, tant que j'en déjà fait, dans l'autre cas, corruption, nous déjà fait, et là encore, depuis qu'il y a un cas corruption qui est avéré, eh bien, nous-mêmes, déjà, nous avons saisi la justice pour que suite légale soit faite correctement. Si il y a des gens qui pour marrer, qui ont marrer depuis qu'ils n'ont pas respecté la loi, depuis qu'il y a des fraudes qui ont avéré dans le dossier. Chapitre sécurité dans le journal, la commissaire Oknam Clamé d'Ameus Chita parlé lundi 11 décembre avec plusieurs responsables commissariats dans Port-au-Prince, responsables DDO, circulation dans l'idée pour prendre diverses mesures pour période fête fin d'année. Mesures ça pour permettre de plus contrôle dans Port-au-Prince et renforcement présence policier dans diverses zones pendant fin d'année. Un extrait, commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Oknam Clamé d'Ameus. Nous gagnons des défis qui en face nous. Puisque l'on a une société, côté que gagne des actes de banditisme qu'a fait, la délinquance qu'a fait au quotidien, donc gagne une obligation pour la police et la justice pénale travaillent ensemble et faut que définir des stratégies ensemble qui va permettre que nous répondre avec tout défi qui gagne en face nous. Maintenant, c'est vrai, nous gagne pour nous travailler au quotidien, nous pas qu'à choisir des périodes bien déterminé pour la police et la justice mais ensemble pour le travail, mais nous connaissons une période fête tout vinn gagner yon augmentation de la population et d'activité qui gagne dans la rue a qui exige qu'on y a faut que nous gagnions un effectif qui plus et significatif, faut présence là intensifier dans la rue a. C'était stratégie pour nous te chita ensemble identifier qui zone qui exige présence là plus et qui gens nous pral arranger nous pour nous gagner contrôle tout espace et pour nous pas bailler en ken côté à en ken bandi qui empêcher pour population fonctionner normalement surtout dans période fête là et toute l'autre période cap venir. Donc c'est dans contexte ça jodi a il était nécessaire pour commissaire gouvernement DDO tout commandant commissariat yo pour te chita avec nous avec sentiment accord des autorités qui peuvent placer yo, quel c'est ministre de la justice, quel c'est premier ministre, quel c'est directeur général de la police qui permettent que jodi a rencontre ça possible. Police nationale d'Haïti mettait campé un plan tout neuf pour assurer sécurité population d'après porte-parole adjoint PNH là Gary Desrosiers. Dans sens ça, inspecteur Desrosiers fait qu'on est direction PNH là monter un comité coordination pour orienter travail policier. Gary Desrosiers. Gagné un plan qui est élaboré et je crois que pas trop longtemps, nos conférences, nous avons annoncé justement un plan de travail justement qu'a fait pour sécuriser le monde pendant la période fête là. Il est de coutume, côté que c'est dans le moment ça, il y a pile diaspora qui a venu, il y a pile de monde qui a sorti Port-au-Prince pour aller à la famille. Nous avons une période très mouvementée et demandé justement en présence certaine de la police nationale dans les villes. Gagné un comité de coordination qui créé et qui a fait liaison tout, qui est composé de DDO qui est avec nous là, de DDO 1,
de un commissaire principal qui est responsable arrondissement et SDPA et il y a l'autre monde justement qui fait équipe et qui est dans l'équipe comité ça. Mission plan, c'est augmenter la visibilité des policiers dans les rues. Côté que population capable d'identifier les policiers et d'a demandé la tout collaboration population hein, à n'importe ça nous remarquer pour pas hésiter sans problème vinn di policiers ça et policiers a fait suivi. N'a renforcé justement sécurité dans de gros axes routiers et ça fait présence circulation là tout aéroport boîte de nuit yo centre commercial yo qui généralement bandi qu'on essayait imposé au là pour que yo capable faire moun yo pas son travail. N'a développé tout yon bonne relation en proximité avec commerçants yo et nous inviter justement commerçants yo porter justement collaboration dans sens ça parce que mission nous c'est pour garantir mieux sécurité yo. N'a sécuriser tout marché public yo pour pas essence local radio et télévision yo. Et n'a fait des patrouilles et des palpations même au niveau moteur. Gain une administration logistique justement qui a aménagé pour capable permettre que plan ça atterrisse à savoir moyens matériels, armement, équipement, véhicules, moteurs. Environ 2000 policiers mobilisés pour nous permettre que année ça passe bien y compris les unités spécialisées CIMO, UDMO, BIM, BOI, DLTS, SWAT, GATCOT et les commissariats avec appui de la MINUJUST et Jean commissaire gouvernement se parler là côté que commissaire gouvernement vient joindre nous justement pour nous capable permettre que tout le monde passe on fait de fin d'année tout à fait exceptionnel et encore une fois n'a pas des collaborations téléphone la police là c'est 38 38 11 11 38 37 11 11 et nous dit tout que nous avons capacité dans les prochaines minutes si gon problème dans zone pour que la police capable faire intervention. N'a pas noté que plan ça li au niveau de DO mais tout l'autre département yo et suite et suivant instruction au commandement et le commandant chef de la police nationale le gain propre plan par yo c'est certain dans l'autre département yo il y a l'autre porte-parole qui justement va parler du plan yo au niveau département mais pour département l'ouest là nous prenons responsabilité nous comme la police pas garantir en sécurité à 100% mais en fonction de moyens nous on a fait tout ça incapable et équipe la mobiliser pour que nous capable permettre que tout le monde passe yon fête de fin d'année encore une fois exceptionnelle. L'autre information dans le journal là, Université Technologique d'Haïti Unitec lancée lundi 11 décembre, yon semaine activité pour marquer 10 l'année existence li. Parmi activité ça yo, yon conférence débat sur situation économique PIA avec participation plusieurs économistes haïtiens et étrangers. Recteur Université Technologique d'Haïti a M. Jocelyn Val profiter de ce bilan 10 l'année fonctionnement Unitec qui déjà formé plusieurs générations dans sciences comptables, génie civil, topographie, sciences éducation, sciences informatiques et gestion. Professeur Jocelyn Val, dans micro Sainte-Croix Paki avec Rémi Godjit. On suit. Activité ça yo inscrit dans deux activités académiques nous permettant de commémorer ce 10e anniversaire. Et nous gagnons deux jours d'activité, soit 14 et 15 décembre. 14 décembre, nous aurons une première conférence avec le professeur Ezer Emile sur le thème entrepreneuriat et développement économique. Le premier jour, alors toujours le premier jour, une deuxième conférence avec un professeur invité, c'est le professeur Jean-Marie Tremblay de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui lui-même présentera une conférence sur l'importance du numérique dans l'enseignement et la recherche. Donc, je profite aussi de vous informer que c'est une conférence internationale car nous aurons deux professeurs invités. Le deuxième jour, la première conférence sera débutée avec Dr. Eddy Laboussière. Le thème, c'est l'état des lieux de l'économie haïtienne.
Pendant ces 10 ans, nous avons mis sur le marché du travail plusieurs cohortes, plusieurs étudiants. Et nous avons dit qu'il y a une satisfaction. Et l'université, je dirais même, c'est notre guéri de la performance des étudiants sur le marché du travail, car nous avons des feedbacks de la part des entreprises qui d'habitude recrutent nos étudiants. L'autre nouvelle, sous initiative Faculté Médecine et Pharmacie, dans tête collée avec Société Suisse Ophtalmologue et Compagnie Plurimed, y a une journée sensibilisation et formation sous ophtalmologie déroulée dans le local Faculté Médecine et Pharmacie samedi 9 décembre. Plusieurs étudiants finissant dans différentes facultés médecine dans le pays ont participé à la formation. D'après le doyen Faculté Médecine, là, Dr Jean-Claude Cadet et directeur commercial Plurimed, là, Gaëtan Boirard, formation ça a aidé étudiants finissant yo ouais importance ophtalmologie comme champ et spécialisation. Un extrait dans micro Richardson Jourdan avec Bernard Marseille. Nous sommes programme national et international parce que nous gagnons des étrangers qui participaient et qui présentaient. Ça lié n'a fait que étudiants et tout le monde comme si qui l'année terminale nous parlait de ophtalmologie, nous montrer au salié qui ça le café et pour qui ça que situation ophtalmologie assez difficile comme ça dans le pays et nous a demandé la sensibilisation ça n'a fait n'a demandé pour jeunes qui a choisi ophtalmologien comme spécialité. Et pour aujourd'hui là ça son formation qui est là. Eh bien, c'est une formation, si vous voulez, dans certains sens, parce que vous venez comprendre ça, ophtalmologie. Parce que l'homme choisit pour le docteur yeux, ce n'est pas seulement médecine que le fait, mais il faut qu'il fasse chirurgie tout, parce que y a des maladies des yeux, pour qu'il traite, il faut qu'il fasse opération tout. Formateur qui est là avec nous, c'est qui est-ce? Formateur, c'est des formateurs qui travaillent dans la faculté de médecine. Et comme on me dit, nous avons une société suisse d'ophtalmologie qui voyait deux gros professeurs avec nous pour expliquer tout le monde qui a participé à la formation, sa ophtalmologie. Et qui ça que vous demandez, tant au point de vue que connaissance, que de appareils et de médicaments pour aider nous dans le traitement maladie. Nous sommes là pour nous supporter, encourager l'activité sa fête, non seulement et au point de vue logistique, financier, mais bah, à propos personnel, par nous, présence par nous, pour nous supporter au mouvement comme ça. Qui ça qui fait c'est nous entrer dans telle activité? Une mission, nous, c'est promouvoir et santé à travers le pays, pas seulement à travers l'éducation, pas à travers vente de médicaments, mais à travers support, la formation continue de tout médecin et justement, nous faisons un produit yeux. Donc, nous sommes trop contents qu'il y ait plus d'ophtalmologue pour améliorer la santé des yeux. Qui sont obtenus après la formation? Nous avons souhaité justement qu'il y ait plus de médecins qui intéressent à l'ophtalmologie. Et pour nous-mêmes, tout, nous avons plus de support toujours pour améliorer la santé oculaire dans le pays. Est-ce que vous avez plus engagé dans le cadre de ces années? Oui, c'est sûr, nous engageons nous totalement. Depuis que nous commençons, nous engageons nous pour nous aider et formation continue, aider nous. Des docteurs qui voulaient faire le congrès, et des docteurs qui voulaient faire journée scientifique, et des docteurs qui voulaient faire clinique mobile, parce que nous pensons que l'on recevoir, il faut qu'on baille en retour. Et nous-mêmes, c'est parti ça que nous voulons bailler, c'est à propos de nous. Depuis qu'on bagaille qui a fait pour la population améliorer le niveau santé, nous avons participé, nous avons participé, de tous les niveaux. L'autre nouvelle, secteur qui tirait l'haïtien en deuil, Joseph Emmanuel Charlemagne, tout le monde connaît son nom artiste Mano Charlemagne, mourit dimanche 10 décembre dans Miami. L'amour Mano Charlemagne arrivé quelques mois après, il était obligé de prendre cabane à l'hôpital côté l'étape souffri avec un cancer poumon. Collaborateur nous, Anne Simas, a dit nous plus dans mon papier. Anne suive. Garçon Mano Charlemagne, c'est sous nom ça la société te connaît artiste là. Guitare en basé celle-là. Depuis sous premier note là, moun qui en face là senti son musique différent là tande. Dom la y passon la yé. Ou ma goutte qui besoin la yé, ou a vin la yé sous dôme. Dôme la yé, passon la yé. Li chante, li écrit, li joue guitare, li compose musique li yo. Joseph Emmanuel Charlemagne, c'est une référence sans affaire musique engagée dans le pays d'Haïti. Carrière artiste a commencé dans l'année 70. Dans l'année 78, ensemble avec Marco Gentil, li sorti premier album li.
Bamyonti Limier, Conviction, Alien 4, GBD, N'a besoin moins, Sixer yo en pile. Et chaque musique traitée en sujet différent, a un groupe mot qui marque admiration et sympathie chaque monde qui attendait Mano Chalman. Avec une guitare, Mano toujours fait moun chanter dans tout moment. Fête, réunion politique, grève, festival, il est toujours là pour porter en couleur pâle. Pour qui ça n'est pas à manger, pour qui ça y a mandé la mort. J'en ai dit la vie douce, mais c'est pas tout le monde qui joue privilège ça. Devant engagement la prendre en musique Lio, Mano Chalman a pris le parti dans l'exil plusieurs fois. 1986, 1991, l'année 95, Mano Chalman est passé dans l'élection pour venir magistrat ville Port-au-Prince. Mano, n'est kafou natif natal la fête dans l'année 1948. Depuis plusieurs années, même Jean l'était qu'on l'était pour justice sociale, l'était obligé à l'été en bas un gros cancer poumon. Journée dimanche 10 décembre, nan, qui c'est journée internationale de l'amour. Yon nan pi gwo defanse dwa moun yo, Mano Chalman fè denye voyaj la. Li mouri nan Mont Sinaï, nan Miami Beach, ak 69 l'année sous tête li. La force de fraise de l'homme parlant, c'est de dire, ou bien nous voulons que le développement serve de guide aux gens de mauvaises intentions. Après nouvelle la mort Mano Chalman, président République la, nan yon tweet précisé, la mort chante engagé Mano Chalman, si yon gros pet pou peyi a, ak pou secteur qu'il tire la en particulier. Chef l'État a présenté sympathie by famille ak poche patriote sa ki te remen peyi avec passion. Haïti pa janm bliye artiste la toujours selon tweet président. Télévision nationale d'Haïti profite présenter sympathie by famille artiste la et by tout secteur culturel haïtien spécialement. Nou pral ale nan information yo sou plan international, yon explosion fait nan centre Manhattan lundi 11 décembre lan, autorité new-yorkais yo parle de tentative attaque terroriste. Chef la police new-yorkais James O'Neill communiqué identité suspect là à Kayed Oula 27 l'année qui c'est un résident quartier Brooklyn. À Kayed Oula t'a porté un bombe sous lui dans moment arrestation lui. Présumé terroriste là blessé grave dans explosion ça. La police est arrivée mettre main sous lui dans un tunnel qui relie croisement Times Square à Gautier Port Authority. D'après pompiers yo 4 personnes blessées toujours mais yo pas grave. L'autre nouvelle dans le pays Venezuela, parti Chavez là a semblé remporter élection municipale yo à 99% voix yo. D'après président vénézuélien, yo remporté plus passé 300 mairies sur 335 dans tout pays là. On suit. D'après président vénézuélien Nicolas Maduro, parti sous pouvoir a gagné contrôle plus passé 300 mairies sur 335 mairies après dernière élection municipale yo. Trois principales partis opposition pas participé dans élection yo. Trois partis l'opposition te craignent pour pas de fraude dans l'élection yo selon ça yo fait connait. Chef l'État vénézuélien précisé parti l'opposition pas capable participer dans l'élection présidentielle 2018 yo à cause yo boycotté élection municipale yo. Élection présidentielle yo t'a dû dérouler en décembre 2018. Élection présidentielle yo prévoit pour 2018 qu'a venir là mais gain plus possibilité pour t'a dérouler pour premier trimestre yo selon quelques analyses. Magistrat qui il y a hier dimanche là yo ta dwe reconnaître pouvoir constituant lan avant yo exercer pouvoir mandat yo. Président Rusla Vladimir Poutine annoncé li ordonné lundi 11 décembre nan retrait partiel contingent militaire Rusla nan pays Syrie. Président Poutine pa di ki lè ordonnance sa ap rentre en application, cependant, li précisé des bases militaires russes yo nan pays Syrie ap rete permanent. An suiv. L'armée Rusla pral commencer désengager nan pays Syrie. Et annonce président Rusla Vladimir Poutine fait lundi 11 décembre 2017 là. Président Rusla qui est en déplacement en Syrie déclaré li déjà bay l'ordre pour retrait un gros parti dans contingent militaire Rusla. Dans presque deux ans, force l'armée Rusla en collaboration avec l'armée syrienne détruit un gros parti dans territoire international là. Par conséquent, prend décision pour faire entrer un gros parti dans contingent Rusla. Président Poutine babay ki lè ordonnance sa ap rentre en application, cependant li précisé deux bases militaires russes dans pays Syrie a prêté permanent. Vladimir Poutine fait annonce si là sous base l'armée russe là côté président syrien Bachar al-Assad te vin recevoir l'ensemble mak ministre défense li Sergei Shoigu ak chef force russe en Syrie Sergei Surovikin. Journal arrive nan bout li tout de suite la pial titio.
président République là, Jovenel Moïse Chita parle jodi a ak Tokay Français li président Emmanuel Macron nan Palais Élysée pays la France sou relation an deux pays yo nan kad tourné chef l'état fait sou continent européen. Joseph Emmanuel Chalmay, tout le monde connaît sous nom artiste Manou Chalmay, mouri dimanche 10 décembre dans Miami suite à un cancer poumon. Ministère éducation nationale et formation professionnelle présenté jodi a document pour expérience pilote nouveau curriculum préscolaire. Commissaire gouvernement Port-au-Prince là rencontré jodi a responsable commissariat département l'Ouest là sous disposition qui prend pour fête fin d'année a. Ministre travaux publics transport communication Fritz Kayo présenté travail ministère l'a dirigé a réalisé dans pays a particulièrement dans cadre caravane changement dans occasion 27e conférence le lundi de la presse jodi a. Sous plan international, yon explosion faite jodi a dans Manhattan aux États-Unis, la police déjà arrêté yon suspect dans cadre explosion ça. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, première sortie journal là pour semaine là, li rive nan bout li. Merci à vous-même qui t'avez suivi. Merci à toute équipe qui te rend possible. Bonne soirée, bonne semaine, en compagnie de la chaîne de service public. Au revoir.